Vénézuélien, panaméen, californien, porteño et un peu français, pardon, français aussi. Edgar Ramirez, oui, tu. Edgar, oui, Edgar. La voix, ils sont là. Si le jury n'est pas là, on va avoir du mal pour faire rentrer le jury. En plus, j'ai l'air con, je vais présenter deux ans. Alors, non, par contre, est-ce que Julie Bertucci-Lambi a Julie Bertucci là, là, j'ai eu. On s'est culte. Bon, ben, il va être temps d'appeler l'équipe du film. Vous allez voir un film de cette. Alors, je pourrais dire de la nouvelle génération des cinéastes du Maghreb, puisque le film se passe en Tunisie. Et en même temps, Lofty Nathan est un. Est un Anglais d'Amérique et d'Égypte à la fois. Mais néanmoins, ici, à la semaine ou à la quinzaine, je crois, il y a également un autre film. Et il y a quelque chose du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, qui se passe actuellement en cinéma. Et on est heureux de montrer ces images-là, les images de ces sociétés et de ces populations. Je voudrais donc qu'on les accueille. La productrice, l'acteur principal, et quel acteur vous verrez, et le réalisateur. Merci de le faire chaleureusement. Julie Viez, Adam Bessa, et le réalisateur, Lofty Nathan. Premiere for us, and all of our partners and producers and cast and crew, there's a lot of them here, and our financiers as well. Hope you enjoy it. Thank you very much. No more. You want to say more? You have to say more. No, I was saying that, is it a Tunisian film? Or is it what? It's complicated. It's set in Tunisia, but I'm not Tunisian. My family's from Egypt. And I live in the States, so there's a lot of different lenses on this story. But it's an intimate film that we shot in Tunisia. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci à vous.